passons de l'Amérique du Nord à l'Amérique latine. Destination, les tropiques. On surnomme ce pays la petite Suisse de l'Amérique centrale. Pour sa petitesse, sa neutralité et son niveau de vie, le Costa Rica a sans aucun doute de quoi faire des envieux. Son économie vit de l'agriculture et du tourisme, de l'écotourisme précisément, grâce à sa nature d'une richesse impressionnante. 5% de la biodiversité mondiale est abritée par ce tout petit pays. Entre la côte Caraïbe et Pacifique, dans la vallée centrale, la capitale Saint-José héberge un 30% de la population nationale. 400 000 costariciens y vivent. Les Ticos, c'est ainsi qu'on appelle les habitants du Costa Rica, sont majoritairement des blancs métissés aux Amérindiens. Nous restons dans la capitale pour faire la connaissance d'un Valaisan, dans l'un des restaurants les plus cotés de la ville. Para meter en ensalada. Te quita los trapos. ¿Por qué no me quita eso? Claude Dubuis en est le propriétaire. En 25 ans, on a eu pratiquement tous les présidents d'Amérique centrale, des personnalités un peu de tous les domaines, invitées par des compagnies costariciennes. Et bon, on a fait pas mal de gens, même deux présidents des États-Unis. Jusqu'à 45 couverts peuvent être servis ici. Sa cuisine aussi entre saveurs d'Amérique latine et européenne, dans un registre plutôt raffiné. Sa marque de fabrique allie la qualité à la quantité. Le petit problème que j'ai, c'est que je suis savaisan et j'ai jamais perdu l'habitude de faire des belles portions. Là, c'est une assiette avec un filet de veau, avec une sauce à la moutarde, Dijon. Et un filet de poisson, j'en tourne d'eau avec du petit lard. Dans les salles à manger, notre caméra doit rester discrète. Certaines personnalités souhaitent garder l'anonymat. Une seule table accepte de se prêter au jeu. Il vino aquí hace muchos años y ha hecho una revolución con la comida de restaurantes. Él ingeniosamente ha creado platos muy especiales que son diferentes a los demás. Il y a 37 ans, Claude quitte la Suisse pour le Costa Rica. Il devait y faire un stage de cuisine pour seulement un an. 20 ans, on n'a pas grand-chose à perdre. J'avais fait mon école de recrue et je suis venu. Je suis venu un samedi, j'ai connu ma femme le dimanche et puis je suis encore là. Si son épouse partage l'aventure avec lui depuis le début, ça n'a pas toujours été facile. Pour un couple de travailler ensemble toute la journée, oh là là, on s'engueulait souvent. Il est très caractériel, il a une tête dure et s'il n'a pas ce qu'il veut, quand il veut, il s'énerve facilement. Mais ses qualités, c'est qu'il est très responsable, très honnête, très correct, très travailleur. Si on veut faire quelque chose, il y a automatiquement des sacrifices et même beaucoup de sacrifices. Dans un restaurant, notre journée de travail en général, c'est de 9h du matin jusqu'à minuit. Irma, Claude et leur fille vivent à 20 minutes en voiture du restaurant, dans une magnifique maison sur les hauteurs de Saint-José au pied du volcan Irazu. On avait envie de faire un chalet. Et je crois que l'architecte n'avait jamais entendu parler de ce que c'était un chalet. Quand il a commencé à construire, on s'est rendu compte que ça venait un peu grand. Et maintenant, on trouve vraiment que c'est très grand. Il y a des endroits où on n'y va pratiquement jamais. Et bien sûr, avoir une maison comme ça en Suisse, ce serait très difficile. Ici, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas d'isolation dans la maison. Il n'y a pas de chauffage central. Et le climat est toute l'année entre 15 et 25. Cette maison nous a coûté, il y a 12 ans, 13 ans, et environ 350 000 dollars. Malheureusement, les moments partagés dans cette belle maison sont rares. L'emploi du temps de chacun est si chargé qu'un petit déjeuner en famille n'est pas de coutume. Les assiettes d'ailleurs parlent d'elles-mêmes. Si Andrea mange tous les jours un gallo pinto, plat traditionnel tico, Claude, lui, n'a droit qu'à des protéines. Depuis quelques semaines, il suit un régime draconien. Je crois que c'était bientôt le moment. Des fois, on oublie la figure qu'on a et ça arrive un moment où on est obligé. Et moi, c'était vraiment limite. Conseil famille, conseil tout le monde, régime. Et ça a l'air d'aller. En presque bientôt 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, ça fait déjà 8 kilos. Comme tous les mardis, ils ont rendez-vous avec la Suisse sur Skype. Avec maman, chaque semaine, on parle un moment ou au téléphone ou bien maintenant avec la vidéo. Salut, ça va? Bien, et puis toi? Bien! De bonnes mines en tout cas. Ça fait 37 ans que je suis ici.
Et puis on a toujours des relations. On voit une fois par année en général. Ouais, au début c'était un peu drôle, mais maintenant on s'habitue. Puis tu vois, chacun fait sa vie. De son côté, il s'est non seulement créé une situation, mais aussi une famille. Pour Andrea, sa fille, il y a de l'admiration et surtout beaucoup de reconnaissance à son égard. Moi je dis que c'est mon, en espagnol, mi oso polar. Ben c'est mon ours polaire. Parce qu'il est tout grand et on a envie de... Ouais, on a envie de l'embrasser, de le serrer. Qu'est-ce que je dis merci à mon père? Tout. Pourquoi? Parce que je suis adoptée. Et ben, il m'a tout dit, il m'a tout donné, je sais pas. Il m'a nourri, il m'a donné une maison, de l'étude. Ben, je fais tout quand même. J'ai fini les collèges, l'école, tout. Je suis à l'Uni. Et il me motive tout le temps à faire des trucs différents. Et ouais, je dis merci pour tout, vraiment. Je l'aime bien. Bisous. Plus tard. Ciao, plus tard. Si Claude est stimulant, c'est peut-être parce qu'il est lui-même un bouillon d'idées, avec un côté artistique bien développé. Ce que j'essaie de faire, c'est des roses qui sont un petit peu dans l'air. Et c'est pas toujours facile. Au début, c'était assez difficile parce que ça venait comme des... Ça ressemblait plus à des choux qu'à des roses. Avant, je faisais des œufs, je faisais du café. Ça dépend des périodes, quoi. Ça me calme, ça me tranquillise, change un peu d'idée. Avant, il y avait des périodes où vraiment, je faisais tous les jours. Et après le travail, surtout le soir, des fois c'était 3-4 heures du matin quand je me couchais. Après cette petite respiration matinale, Claude se rend au travail. Il y a 37 ans, c'était vraiment comme un petit village en Suisse. D'Amérique centrale, c'est vraiment le pays où on vit le mieux. On a le plus de sécurité, et hôpitaux, et sécurité sociale, médicaments, docteurs, école, vraiment de très très haute qualité. Mais il y a aussi certains endroits, bidonvilles et tout ça, surtout des migrants de Nicaragua qui viennent avec vraiment rien du tout, qui beaucoup vivent dans la misère. Certains endroits où c'est très dangereux, où il y a beaucoup de délinquance, de drogue. La journée commence par une tournée de ces cafétérias. Et oui, en plus du restaurant, il en possède 4. On est arrivé, ça c'est un des cafés. Costa Rica n'a pas échappé à la crise. On a vu que les choses allaient se mettre un petit peu difficiles, les gens dépensaient moins dans le luxe, moins de fêtes, des trucs beaucoup plus simples. Hay de todo, sí. Ok, perfect. Y la gente contenta, sí. Mais passer d'une alimentation de luxe à de la restauration populaire a demandé quelques réajustements. Les gens ont leurs habitudes, ils veulent toujours du riz, des haricots noirs. Après, ce qu'ils aiment, c'est une côte de porc ou un steak, plutôt de la viande. Aujourd'hui, elle rapporte 40% des revenus total. Les 60% restants viennent du restaurant et de sa charcuterie, autre remède à la crise. On voulait faire seulement des pâtés, comme on a en Suisse, des pâtés en croûte, si ça n'existait pas. Alors, pour faire des pâtés en croûte, il fallait pas mal de machines. Après, on s'est rendu compte que ces machines pouvaient faire des saucisses, des cervelas, mortadelles, jambon, tout ça. Et puis, on a ouvert la fabrique. Et maintenant, on a autour de 60 produits dans les supermarchés. Après le travail et la famille, il y a la vie sociale. On n'a pas tellement le temps, enfin on sort très peu du restaurant. Et samedi, dimanche, des fois quand on peut, mais en général, entre semaines, c'est très très peu ce qu'on sort. En général, c'est dimanche, pas plus. C'est très facile d'inviter des gens ici et tout ça. Mais réellement, si c'est des amis ou pas, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une belle position, tu as toujours beaucoup d'amis. Hein, tout le monde est tes amis. Durant les week-ends, place au divertissement. Les Dubuis font partie d'un club de moto le plus ancien du Costa Rica. Des sorties en famille qui font la joie de Claude. Ma fille a une moto aussi et pour nous, je crois que ça consolide un lien entre les deux. C'est quelque chose de très joli. On est souvent ensemble, enfin pratiquement les fins de semaine. Si elle vient avec moi, je suis très 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 content. Ici on est dans une zone café. Bon, l'avenir pour nous, j'espère on va continuer comme ça. Restaurant, le service, 2-3 cafés en plus. Ça fait déjà tellement longtemps qu'on est ici qu'en Suisse on ira pour vacances ou si on a la possibilité, peut-être plusieurs mois comme ça, de temps en temps. Ici, c'est pratiquement le beau temps toute l'année. C'est un joli endroit pour passer une vieillesse, je pense.
Et c'est sur cette escapade que nous quittons Claude et sa famille. Avec le temps qui passe, les liens qui unissent ce Saviezan à la Suisse tendent à s'effacer. Sa vie aujourd'hui semble plus que jamais être au Costa Rica. Ces Valaisans d'Amérique vous ont été présentés grâce au soutien de Latian Voyage et de Provins.